Dubernet, bonsoir. Bonsoir. Je me présente. Moi, c'est Tonema. Hein, dans le jargon judiciaire, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de non-lieu hein, de l'amour. Hein, c'est vrai que non. Si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un mur fraîchement repeint, hein, mais qui même situé à proximité de vilaines tagueurs à capuche, eh bien, ne prend malheureusement jamais aucun coup, hein, ni de bombe, ni d'autre chose d'ailleurs, et c'est un peu dommage. Hein. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie hein, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie hein, que malgré vos lunettes à la nana Mouskouri hein, et votre physique à mi-chemin entre Mafalda et le kiki de tous les kikis, hein, hey, c'est bien sur scène. Hein, et bien, malgré ce coup bas hein, que vous offrez la vie, et bien c'est pas tous les jours hein, qu'on rencontre une humoriste de talent hein, qui bien que jouant dans l'équipe d'en face, comme on dit, a réussi l'exploit, hein, contrairement. Je voulais pas qu'on le sache. Contrairement à certaines lesbiennes invisibles, d'avoir de l'humour, hein, une qualité qui comme les gens de taillage hein, sur des Twingo, est souvent en option. Hein, chez pas mal d'humoristes, il faut bien le reconnaître. Et à propos de reconnaissance, elle va être contente, c'est elle. À propos de reconnaissance, pour toucher un plus large public. Hein, à toucher, oui. Vous n'avez pas hésité à fricoter hein, avec cette sorte de métastase hein, de l'humour qu'est Laurent Ruquier, hein, participant à son émission. On hein, ne demande qu'à en rire. Une expérience en apparence. Une expérience en apparence mitigée, hein, dans le sens où votre humour ne l'a pas franchement convaincu, hein, puisque lors de votre premier passage, il vous a donné la note de 12 sur 20, une note un peu moyenne, hein, mais qui, somme toute, reste une excellente nouvelle, hein, quand on sait qu'il met régulièrement des 17 sur 20 au Verino et autres virages. En parlant de voitures de luxe, justement, hein, c'est sur scène, un de vos personnages hein, raconte que se taper un vieux, hein, c'est un peu comme acheter une vieille bagnole, hein, dans le sens où en plus de sentir le vieux cuir, eh bien, ça a souvent du mal à démarrer, hein, des pannes de moteur dont malheureusement n'a jamais été effectivement pépé, hein, qui jusqu'à la perte de son contrôle technique, hein, au moment de son ablation de la prostate, a toujours pris un malin plaisir à stationner sa vieille cylindrée dans mon box privatif, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et en parlant de vieux dégueulasses, hein, vous consacrez plusieurs sketchs au Père Noël, hein, Noël aussi lubrique que dépressif, hein, qui tente même de se suicider, hein, après s'être fait plaquer par la mère Noël. Et vous savez quoi, ça nous fait quasiment un point commun, hein, car je sais qu'à mon petit niveau, et ce malgré mes nombreuses tentatives, hein, n'ayant malheureusement jamais eu la chance hein, de me faire plaquer, hein, ni contre un mur, ni ailleurs, d'ailleurs, eh bien, je vous avoue que par le passé, j'ai moi aussi déjà tenté le suicide, hein, en débarquant seins nus, hein, à l'aéroport de Kaboul, hein, juste désespéré, hein, qui m'a certes conduit au trou, mais malheureusement, ça ne fait plaisir aucun, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Sur cette petite confidence, je vous abandonne. Appel à témoin oblige, je file tenter ma chance hein, dans le 14e arrondissement de Paris, où a été aperçu pour la dernière fois le Parisien. Donc, si comme moi, vous n'avez pas peur des relations un peu hors normes, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Merci, bravo. Bravo. C'est génial, bravo. Formidable. Bravo.